Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de The Technomancer en compagnie de Jeffrey Hunter qui nous suit pour quelques temps, je l'espère. On va aller faire notre rapport aussi. Et là, c'est qui? Ryan Steward, oui, d'accord, je vois qui c'est. Organisation de l'équipe, là, c'est qui? Alan Manser, d'accord. Là, on a toujours notre truc là-bas à faire. Et on va, je pense qu'on va aller rendre notre quête. Non, on va pas rendre la quête, tiens. Pour la peine, regardez. On va aller dans une autre zone. Qu'on va rejoindre là-bas. Et on va aller faire la suite plutôt de la quête que nous a donné notre capitaine. Pour être sympa. Et ensuite, on s'attaquera à cette quête secondaire de la personne qui nous suit, hypothétiquement parlant. Et on ira voir qui c'est. Même si je pense que c'est le mec de l'ASC qu'on a vu au tout début du jeu, je crois. Vous savez, qui était venu nous aborder alors que nous sortions de la chapelle, l'espèce de chapelle. Ce que j'appellerais moi la chapelle des technomans. Et donc, je pense que cette personne nous suit pour essayer de trouver notre secret. Mouaha ! Wouhou ! Je suis complètement fou ! Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de lumière, jeu, s'il te plaît ? Merci. C'est pas qu'il fait un peu sombre dans le coin, mais c'est la pleine nuit. Hein. Cependant, on n'a pas de... Alors, pourquoi il veut pas ? D'accord, il s'est levé pour me saluer sans doute. Bonjour madame. Ah, vous êtes un peu plus agréable maintenant, c'est cool. Ça c'est cool. Cependant, il aurait fallu qu'on dorme un petit coup peut-être, je pense. Bon, faudra qu'on pense à le faire. Qu'on puisse récupérer l'XP supplémentaire. Allons-nous nous faire agresser? Allons-nous nous faire agresser? Bonjour, tu vends quoi? Des medikits, d'accord. Lost 10 doses of serum the other day. Bad bet in the arena at the Curiosities. Why wasn't I have my head if this keeps up? Easier said than done. I know the thrill. On parle à la commerçante alors. Did you see the fight? Good day. Care for some merchandise, officer? Je viens plutôt pour des informations. I need information. Don't we all? Unfortunately, I'm just a simple merchant who spends her day here selling her goods. You probably knows little of anything that would interest you. Comme de par hasard. Ok, bon bah on va regarder tes marchandises alors. Un hachoir. Pistolet d'impact lent. Il fait moins de dégâts. Mais il interrompt. Il interrompt. Non, le technomant d'Aurora. Ok. Ça coûte combien? 300. Je t'en prends un pour le principe, mais... Oh la vache. Masque filtreur d'air, lunettes de protection, masque de pillard. C'est dommage ça. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Costume d'officier d'abondance. 101. Je perds 5% cela dit, mais il faut que je l'améliore. Je peux pas l'améliorer. Ah. Ah ah ah, dommage. Dommage, dommage. Ok, voyons ça. Voyons ça, voyons ça, voyons ça. Alors on a chopé ça ici. Par contre, on avait des fesses en plein écran. Ah non, c'est pas des fesses. Ouh. Ouh, bonjour madame. On va voir les gants ici. Oh, ils sont jolis. Oh, ils sont jolis. Ok, je les mets. Ça, c'est joli. Oui, ça, j'aime. Ça, y a pas de souci, j'aime. Alors, bonjour. Ah, bah besoin d'enseignement, effectivement. I'm looking for a little information. Maybe you could help me. If it's information regarding my merchandise, I'm available. If it's in regards to anything else, I'm afraid I have to. Je vais juste écrire le nom de l'épisode précédent. Hop. Voilà. Crac. Ça c'est fait. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, donc je m'excuse. Personne n'a rien vu, rien entendu, c'est rigolo ça. On va faire une sauvegarde parce que je pense qu'il va y avoir quelqu'un à soudoyer ou à charmer. Alors, c'est dans le coin, on sait tous que c'est dans le coin. C'est pas eux. Personne par là? Non. Parlez à mendiant. I need some sensitive info about a certain group of citizens. Mm-hmm. I don't know what you're talking about. All I want is a little serum.
Come on. I'm sure that you see everything that goes on here. I'm looking for people plotting an awful attack. You've heard people talking about sabotage from someone named Bulgakov? No, not right off, but maybe, you know, a bit of serum might help jog. Forcément. The memory. Help me remember, you know. Oh, 20, c'est pas grand chose. Tiens, vas-y. Thank you, my lord. Yeah, yeah, those saboteurs, citizens that you're looking for, they often get together to talk, looking shadier than bulls at a china shop. Putain, il me dit rien. And the name Bulgakov is always a hot topic. I don't know what they're plotting, but they talk and talk, but always more or less around the same spot. Not too smart, merde, in my opinion. They're always hanging out in front of the curiosities. It's not very discreet to meet in front of a bar, huh? Anyway, that's their problem. Now, if you'll excuse me, I'm going to get some food. I don't really know my way around this town yet, but je suis pas sûr que ce soit vrai. It's a popular bar in the slums. I've got to say, those terrorists have balls meeting up right in front of it. Honnêtement, je suis pas sûr qu'ils me disent la vérité. On va couper la lumière. On se calme. Make the slightest move, you're so calm. The best way to get what we want from them is to be discreet. Those fanatics don't talk easily when you interrogate them directly. Vous avez dit de vous calmer. Bien joué. Joli. Joli. Hop! Hop les! Joli! Boum! Je l'ai eu! Putain, ils nous mettent tellement de dégâts! C'est violent! Pistolet d'impact lent, vous voyez? Je le prends. Je le prends sur le principe. Les robustes sur de travail, ça c'est classique. J'ouvre le coffre. Débris métal quincaillerie. Ça me fait du bien si on veut réparer tout ça, enfin améliorer tout ça surtout. Pistolet robuste. Juste sur le principe, on est dans la lumière, on va en profiter. Je vais aller, je me trompe encore de bouton. Hop, ça va venir, ça ne vous inquiétez pas. Hein. On va aller voir ce fameux pistolet d'impact. Oh, c'est joli. Oh non, le pistolet robuste est beaucoup plus stylé, je trouve. De touche. Niveau des armes à deux mains. J'ai que le hachoir. Là j'ai une masse si je voulais. Et je peux pas l'équiper. Bâton, fusil de Boris. Fusil de Boris, je veux pas tout de suite lui donner parce que même si je l'aime bien, Jeffrey, et qu'il a un super nom, je. C'est pas un personnage assez haut en couleur pour moi en fait. Moi j'aime bien les personnages un petit peu extravagants. Where's the next action going down? You heard anything? Operation Cut's going off in a few hours. Bulgakov's taking care of it. Taking a bomb down to the train station in one of those military bags. With all the troops moving around the area, nobody will even look twice. Fucking regime won't be able to ignore us after that. Freedom or death, right? They're trying to hit the train station, Lieutenant. We gotta stop them. Do you know how many people they're gonna kill? And we'd be cut off from the other cities and Abundance's enclaves. Holy crap. Arrête de parler, cours! Il y a un attentat en cours, enfin, qui va arriver prochainement. Arrête de faire genre et dépêche-toi. Oh, merde. Pour eux. Hop. Hop. Si j'avais su qu'un jour je les ferais comme ça. Oh, 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 oh. Pas un pet de dégâts. Waouh. Ce combat était magique. Ah, on peut. Oh. Une arme. Un poignard. Poignard de. Poignard courbe cranté. Oh là 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 là, les trucs qu'on se trouve. Les trucs qu'on se trouve, chers amis. Il y a un petit peu de lumière, on en profite pour vérifier notre équipement rapidement. Je dis bien rapidement.
Le cri-cri. Oh, disons, c'était joli ça comme truc aussi. Hein. Ok, on va plutôt prendre ça. C'est stylé. J'ai fait un point de dégâts en moins, mais écoutez, c'est pas grave. Moi, ça me plaît. Le niveau supérieur, on va se le mettre. On pourrait se le mettre ici ou ici. Augmente la zone de touche de toutes les attaques au bâton. Ça, ça peut être intéressant. Ça, c'est clairement intéressant. Ok, on continue à courir. On équipe le bâton malgré tout. Hop. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Alors. Bolgakov, là, je crois que c'est ça hein, le nom. Hein. Quelqu'un a arrêté, certainement, en tout cas. Ok. Quoi ? Ok, ils l'ont eu. Ok. Arrêtez-les. Chose de travailleur, c'est dommage. Hein. J'aimerais bien récupérer d'autres équipements. Hop, ça serait sympa. Ce serait sympa, ce serait sympa. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est ici. Empêcher la bombe d'exploser. Et ici, remettre la quête. D'accord. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va, on court, et 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 on court. Et une attaque en cours, hein, par contre. Hein. Hop. Aïe. Allez. Hop. C'est bon. Du sérum. Du sérum. J'aimerais que notre ami Jeffrey récupère toute sa santé. Injection de soins, c'est parfait. On les a tous fouillés. C'est bon. Non, pas lui. Il est déjà KO celui-là. C'est par où? Sur notre droite. Hop. Merde. Je vois pas trop la route. Par là. Par là. Ah, c'est bon. La carte en fait ne nous met pas dans le sens du personnage, ce qui est très très particulier à voir. Hop. Aïe. Oh, ça fait mal. Ah non, 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 non. Hop. Oh la vache. Hop. Alors, c'est à qui est ennemi, qui n'est pas. Aïe. Aïe. Ok, on les a eu. On fouille. Un deuxième cucri, why not. Injection de soins, parfait. Lui, il avait rien, malheureusement. Lui, je n'ai pas pu le sauver. Je crois que c'était un allié. Chose de travailleur, pourquoi pas. Ok. On est bon. On continue. Ça va être par là. On les voit. Je pense qu'il va y avoir une cinématique. Sauvegarde. Pour présenter le personnage Bulgakov, là, je sais pas trop quoi. Yo, les filles. Exact. Leave this bag, please. It belongs to you? Yeah, I figured, but I was expecting... A man? Sorry to disappoint. Hmm. Since you're here, minding my business, maybe I should introduce myself. I'm Bulgakov, one of the leaders of the opposition army. You gonna arrest me now? Arrest you and take that bomb before it does any harm to the city. You don't have a damn clue, do you, officer? That bomb was never meant for the city. This is our city, too. It was meant to take out the access roads to the city, to block the army convoys. It's time this fratricidal war finally came to an end. Hmm. You think we're fighting for Aurora? You're wrong, officer. The opposition is made of patriots, and the war we're losing is making the true patriots weaker, while the politicians and their secret police grow stronger. You're no patriot. A patriot would let her voice be heard at the assembly of the people, not set off bombs in the city she claims to love.
You couldn't possibly be that naive, could you, officer? Ask around. See if you can find just one person who dared to speak up at your precious assembly and is still around to talk. The only voice ever heard from is the Watchers. The rest are silenced, and will continue to be until only the ASC agents remain. Stay suspicious of me. It's your right. But I don't lie, officer. I'd never hurt the people on purpose. I only ever wanted to free them. Let me. Don't stand in my way. Because it's the only road to a better abundance. Gardez la bombe et la laissez partir. Go, but leave the bomb. I trust you enough, but not that much. C'est la solution logique. Thanks, and goodbye, officer. Beware the watchers. Même si on est suivi. On est suivi, chers amis. On est suivi, hein, je vous le rappelle. On aurait dû faire ça avant. On aurait dû s'occuper de notre follower bien avant. Problème, gros problème. J'espère que je vais pas devoir tuer ce follower. Bon. Au moins, on s'est plus ou moins occupé de l'attentat en question. Et je pense de la meilleure manière qui soit. Les gens méritent d'être entendus. S'il y a un soupçon de réalisme, la politique cache des choses. Donc forcément, là pour le coup, je pense avoir fait la bonne solution. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à discuter de mes choix, tout simplement. directement dans les commentaires, je serais ravi de lire tout ça. Pas forcément d'y répondre, hein, parce que j'ai très peu de temps pour répondre aux commentaires. Dites-vous qu'en ce moment, mes journées, c'est du... Si j'arrive à me lever, parce qu'en ce moment, c'est de plus en plus dur, hein, je commence à être crevé de chez crevé. C'est du 8h, entre 8h ou 9h, jusqu'à 1, 2, 3, voire 4h du matin. Établir un plan avec Jeffrey. Oui, c'est ça. Hop. Ready to try your plan out? Ha! Yeah, absolutely, Lieutenant. C'est parti. Just out on a stroll, right? Yeah, just a stroll. He won't suspect anything. Let's head out this way. Allons-y. We should probably go right now. Hop, en douceur, hein. Comme si de rien n'était. We can head down this alley and over towards the archives. Ok, pourquoi pas. Y aller, hein, pas de soucis, hein. We'll pass security and there's a chance he might get suspicious, but I think we'll be fine. On est bien suivi, hein. On est bien suivi. On a vu un bonhomme courir derrière nous. Don't look now, but we gained the tail, Lieutenant. Let's just keep heading this way a bit further, I think, and I'll prove I was right. Sir. The guards get a cut of the serum, so they look away. Same shit, different day. Wasn't always like this. Voilà, non, mais voilà, regardez ça. On a un gardien qui nous suit. Un ward. Yeah, there we go. He's following us. Just gotta keep him with us until we get to the dead end street, past his checkpoint. We'll corner him there. Hop. Dead end's right there. We just gotta get him in there, and we'll have him trapped. Il parle, il tourne la tête et il fait genre il parle à la personne. Ça c'est pas épique. Who the hell are you? Why are you following us? You got nowhere to run. You're surrounded. Fuck. Agent de la SC, tiens donc. Tiens, bouffe le poison. Voilà. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Tablette de l'espion. Looks like a notebook. And I'm willing to bet it's Alan Manser behind all this shit. Looks like the little rat reported me to the ASC. What? Really? Why would another Manser tell on you? And for what? You're a great lieutenant, sir. You haven't done anything wrong. Yeah, well, let's just say Alan's not exactly a fan. This time, little shit's gone too far. He's gonna give me an explanation. Bien. J'aime bien quand il parle comme ça. Putain, c'est censé être le jour où on voit que Puig, quoi.
C'est pas mal en fait, ça montre à quel point on n'est pas dans la merde cette planète en fait. Hop, lumière s'il te plaît, merci. Oh les gardes comme ça, si c'est pas complètement flippant. Ok, là je vais pouvoir passer par dessus le mur. Excusez-moi, un coffre. Pourquoi pas, haillon de mendiant, tiens. Tiens donc, tiens donc. Au prix que ça coûte, je suis content de pas avoir à les payer tous. Ça c'est génial. Ok. Donc j'imagine qu'il est dans la caserne ce sac. Non, bah même pas. Ah merde. Il est là. Alan Menser. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer par là? Ouais, par là, il y a moyen. Ok. Et je suis encore paumé. Foutu carte. Foutu carte, chers amis. Franchement... Ça va être par là. En plus, comme il n'y a pas le nord de marqué dessus, vous pouvez pas vous identifier, vous pouvez pas entre guillemets savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est vraiment mal fichu. Hein. Ok, Yann. Il est temps qu'on discute. Il est grand temps qu'on discute. Tu m'as fait chier plus d'une fois, l'ami. Alan, pardon. Yann, c'est le grand maître. They haven't sent you to die at war yet? A damn disappointment. A little bird handed me some notes about a spy authored by a little rat. The rat should leave me alone and cut the shit out immediately. I'm not sure I like your tone, rogue. I have more important things to do than waste my time with the likes of you. I should have known you wouldn't own up to your own lies. That would take courage, which you're lacking. Oh. A rogue will never live up to the reputation of a real mancer, and it's high time someone showed you. Oh, okay, on y va. Waiting for this. Hop. Joli. Boum. Ah, il y en avait un deuxième derrière moi, d'accord. Alors, ok. Tu veux te la péter? Ok, on y va. C'est bien la gâchette. Je me suis trompé de gâchette. Alors, on se prend une balle dans le dos. Vas-y, vas-y, arrête-moi. Boum. Have your senses left you, Zachariah? Is this how I taught you? A technomancer fighting with students. I'm sorry, Master. He started it. What did you want me to do? As for you, Alan, your constant provocations will one day find you an early grave. Don't fancy me a fool, for the fool is you. Try something like that again, Alan. Please, try it again when no one's around to bail your sorry ass out. Bien joué. Bien joué, merci Jeffrey, t'es quelqu'un de bien. Tu me plais. Finalement tu me plais, tu mériterais d'avoir ta place. Tu mériterais d'avoir ta place. Tu sais quoi? Tu l'as. Tu l'as ta place, l'ami. Pas lui donner? Non, voilà. Voilà. C'est là que je voulais aller. Tiens. Voilà une arme digne de mon amitié. Digne de l'amitié que je te porte, même je dirais. Yo, t'as quelque chose à me dire, l'ami? Hi. Bonjour. Lieutenant, how can I help you? Demandez du travail. On the street is that the locusts are swarming the underworlds. Patrol gonna get it under control before the shit hits the fan? Unlikely. High command's about as interested in the slums as they are the underworlds. Why try to spit shine a turd? And what's it to you anyway? As it goes. Little nuisances have a way of becoming big problems over time. Proliferation. And I'd be willing to pay to nip it in the bud now, before they start to hit our warehouses and personnel, too. A bird! Well, you'd have more luck killing them in their nests and hunting them one by one. Or you could booby trap the tunnels and catch the rats while they roam. Your call. Oh. Hi. Lieutenant. Donner des pièges pour Ryan, donner des pièges à Ryan.
Now they just have to be set to catch the locusts. Then I'll make sure they find their way to the tunnels. Keep the filthy things from reaching the surface and poaching our goods. And Lieutenant, thank you for caring. The poorest of us rarely get shown such concern. On est stylé quand même malgré tout avec Capitaine. It's your lucky day. I need a favor, if you have the time, on top of the missions the Captain already gave you. Depends on the favor. Soldiers back from the front are barricaded inside the warehouse. But they think Aurora's outside and they're in the middle of a war zone. They've terrorized the merchants, but honestly, that's not even the worst of it. Ils ont peur, ça y est. According to internal reports, they're not just soldiers. They're test subjects for a new combat drug that increases their strength tenfold. The paranoia is probably a result of the drug, but it makes the situation even more dangerous. C'est bien fait le rouge dans les oreilles. Je sais pas si c'est intentionnel, mais c'est bien fait. But in their state, the drugs could push them over the edge. A straight-up fight could kill them. First things first, we need to help get them quarantined and away from civilians to prevent further collateral damage. On va les arrêter, c'est... I know you're up to your neck in other responsibilities, but please, this is a favor for me and a favor for the guys. If the ASC handles it instead, I know I'm gonna be writing letters. Oui, je comprends. Don't let it come to that. If you're gonna start reasoning with them, how about we try to find their families? Or at least a corporal's family to give us some ammo for when we talk to him. Or not. Sorry, Lieutenant. Didn't mean to step on your toes. Non, c'est très très bien. Tu fais bien, l'ami. Honnêtement, tu fais bien. Bon, on a gagné des points encore. On a encore gagné des points. Ça peut être sympa, ça aussi. Hein. Cependant. Ça peut être sympa, ça. Peut-être mettre un point là-dedans en fait. Hop, ce qui nous permet de nous améliorer un petit peu de ce côté-là. Ici, on peut rajouter un point quelque part. Le vol, ça m'intéresse pas plus que ça. Artisanat, on peut peut-être y mettre un point. Ça nous permettrait d'augmenter les chances de réussir des dialogues d'artisanat. Ça peut être sympa. Hop, on y va. Parfait. Et dans les attributs, on les met quoi? On met ça où? On a des équipements qu'on peut pas porter, normalement, il me semble. Il faut deux en force. Ah oui, c'est pas un, c'est deux. Hein. On va attendre pour les attributs. J'en ai pas déjà genre un attribut en trop. J'ai deux points, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, bah parfait, on va attendre un petit peu. On va équiper quand même un petit peu mieux nos équipements. Potentiellement. Donc le blouson des voris, c'est bon, il est fait. Alors là, est-ce que j'ai des choses en trop? Blouson de voris léger, ça je peux virer. Déjà mis un sur l'autre. Chemise d'artisan, c'est pratique. Uniforme de soldat léger, je vais le garder. Veste d'aspirant, je vais la garder. Allons de mendiant. Je vais essayer de les mettre dans des trucs, ces trucs-là. Ça, faudra que je l'améliore pour notre ami. Là, ici. Tiens, tu vas te prendre un petit peu de résistance aux dégâts physiques. Ça va te rendre un peu plus stylé, ça va être cool. Ok. Au passage, est-ce que t'as autre chose qui a besoin d'être amélioré? Les bottes, on peut pas les améliorer, de toute façon. Hop. Voilà. Forme de soldat complet. Ça pourrait bien lui aller aussi. Hein. Hop. Alors, le deuxième point. Voilà, merci. Ça pourrait parfaitement bien lui aller aussi à ce genre d'uniforme. Hein. À notre ami. C'est les mêmes? C'est les mêmes, d'accord. C'était pour voir. Hop. Si, il n'est pas améliorable, d'accord. Nous disions donc fusil de soldat, gants de technoman, voilà. Circuit. Hop. Dégâts améliorés 2, on pourrait le mettre. Ah, il n'y a pas de changement d'aspect visuel. C'est dommage. Ah, mais ça me coûte pas les plans. Ah, le plan, je l'ai débloqué, cool. Bah, je pensais qu'on s'était trompé sur le quand on a acheté le truc. Génial. Génial. Eh bah, écoutez, c'est génial. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Alors, pistolet d'impact lent. Il avait quoi? Une lunette bizarre. D'accord. Bah, on va garder le nôtre, hein, il est très très bien. On va virer quelques pistolets robustes, cela dit. Voilà. Bouclier de soldat, on aurait pu l'améliorer, on l'a pas encore fait. Rajouter la plaque au centre, ça ne m'intéresse pas. Bâton simple, il faudrait peut-être qu'on l'améliore ce bâton simple, hein, par contre. Hein. Le fameux poignard cranté. Garde. Dégâts améliorés, ça va être bien. Ici, dégâts améliorés aussi, ça peut être sympa. Parfait. Parfait. Bah écoutez, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ok, cool. On s'en sort plutôt bien. Toi, l'ami, là. Ah, mince. Voilà. Est-ce que je pourrais pas, justement, t'équiper avec une armure... Oh, il est stylé avec l'armure complète. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet homme. Il lui manque vraiment un casque, mais après... Waouh, le soldat, quoi. Soldatum. Alors, on a pas... On a tout notre temps, si on le souhaite. Donc, du coup, je pense que prendre... Un petit temps pour se reposer, ça peut être sympa. Bon, j'ai aucune idée de quand j'ai démarré l'épisode, ça commence à faire bizarre. On va s'attendre un petit peu, on va dormir 12 heures, ça va nous faire du bien. 12 heures de sommeil, et oh, ça, ça fait du bien. Ok, parfait. Parfait, parfait. Et donc, on pourrait aller voir les familles. Après ce qu'il a dit, c'est ça. Hein. Voilà, il y a quoi? Déloger les soldats de leur repère, et c'est ici les familles, je pense. Ah merde. Alors cette quête, faut que j'aille la relire. Faut que j'aille la relire. Déloger les soldats de leur repère. Ok. Et ils sont où les soldats? Enfin, les enfants des soldats. Enfin, la famille des soldats, elle est où? Parce que si elle est en sous-sol, ça me dérange pas d'y aller, mais même pas. Donc ça, on est d'accord, c'est les entrepôts. On vaut mieux aller du côté ici pour trouver leur famille. C'est-à-dire donc sortir par là-bas. Je comprends pas pourquoi c'est si compliqué en fait. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Une petite sauvegarde rapide une fois qu'on sera sorti de l'animation. Voilà. Crac. Et donc j'aimerais aller voir. Est-ce que c'est des membres de leur famille? Bonjour. Ma'am, your husband. He's one of the soldiers who returned yesterday. Yes. Ah d'accord, c'était le début. Corporal Tyrone Ward's wife. So he is back? Why haven't I been permitted to see him? What's wrong? Ma'am, he's safe, but he's scared, paranoid. Suffering severe post-traumatic stress. So what I need for you. Oh, non, tout le côté médical qu'on a passé dans la traduction, c'est embêtant. Before he gets himself killed. Tell him I'm here. Tell him I'm waiting to see him. Dying to see him. Tell him about the ribbon he sent me for my hair and that it's not just me waiting anymore. Oh. La dame est enceinte. Going to have a child soon. Bon bah alors là, je pense qu'on a la bonne nouvelle à lui apporter. Faut pas qu'il fasse le con maintenant. Ok, on a ça comme équipement, j'ai envie de passer là-dessus. Ou sur ça, tiens. Juste parce que voilà, c'est stylé comme lame. On va bien voir. On verra le moment venu, mais normalement on devrait pas avoir de combat. Ok. On y va. On a un futur papa à sauver, chers amis. Hop, allez, grimpe. On a une porte juste là. Ouvre. Fait. Hop. Oh la vache. Complètement parano, c'est pas possible. Hop. Boum. C'est bon. Hop les, c'est bon. On s'est occupé des trois. Les robustes, je prends. Fils de tireur d'élite. Ouh. Dommage, il avait rien celui-là. Bon, c'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Les mecs, on se calme.
Bonjour. Corporal, let's chat. You wanna chat? Sure, joli masque, casque, not like truc. War here. Let's just have a goddamn tea party. Whatever you wanna chat about. Oh shit, I'm sorry, Lieutenant. I didn't see your stripes. Your uniform threw me off, sir. My mistake. Désolé. It's fine, Corporal. Stand down. Listen, Corporal, you're confused. You're scared. J'ai l'impression qu'il croit pour elle à chaque fois. Not a lot is making sense to you. Pokémon. But you have to trust me. You're back in Ophir. And your wife, Maya, she's worried about you. Maya? How the hell do you know my wife's name? Did you do something to... Your wife's fine, Corporal. She even told me about that ribbon you sent her. She told you about the ribbon? I don't understand. There was a goddamn war raging out there. I heard it. We were under siege. If we're in Ophir, you're telling me it's under siege? It was. The fighting's done, though. You held the warehouse like men, so just relax and return to your barracks. Rest. And wait for your wife. She has some good news for you. Good news? Of what? The best kind, trust me. The kind that'll be a reason to stay safe. Stay alive. Yes, sir. Thank you, sir. Men, listen up. Lower your arms. We're heading back to the barracks. On the double. Bon. Pouh. On s'en est pas trop mal sorti, hein, si je puis dire. Ça aurait pu être bien pire. Niveau 3, niveau 2, niveau 3, dommage. Ok, bon. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire. Et franchement, on s'en est plutôt bien sorti. Ok. C'est ouvert, et ici c'est un cul-de-sac. On reprend par la route, hop, par laquelle on est venu, tout simplement. Crac. Fou. On s'en est pas trop mal sorti. Alors donc, on a une quête à rendre ici. Et puis c'est tout. Ok, ok. Eh ben on va se diriger vers la caserne et on va aller faire tout ça. Oh bonjour. Dommage que t'aies une tête bizarre, mais sinon niveau équipement, je trouvais ça sympa. Ok, on y va. Pas l'autre trou du cul à la caserne? S'il vous plaît, l'autre trou du cul. Oh, il est là. Il est là, il est là, il est là. Est-ce qu'on le menace? Yo. Hello, Alan. Bonjour, Alan. Zachariah Rowe. They haven't sent you to die? Non, il ne veut pas. Il ne veut pas se rebattre avec nous. C'est dommage. On lui aurait tellement mis une pâtée. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Un petit peu de bordel. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Je suis coincé. Ok. Bonjour. L'ami, problème résolu. Hi. Lieutenant, how can I help you? Je me suis occupé de tes amis drogués. Your problem, quartermaster. Is that so? And how'd it go? No lives lost, but if we don't find an antidote to the drug, I doubt those men will see a day outside a cell for the rest of their lives. Thanks, Lieutenant. We owe you one. A friend of mine working on the test actually sent us a sample, and we should be able to make an antidote with it. Eventually, I hope. Give me the sample. I know someone who could probably find the. Ah, on va aller voir notre ami le médecin. Cool. Thank you, Lieutenant. If he succeeds. You will help us out a lot. Here, take this. Cool. Génial, absolument génial. On ira le faire, chers amis, on ira lui donner à lui avant de rendre la quête pour elle, pour le capitaine. Mais, chers amis, ça on le fera dans un prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, pas trop bien dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!